se réveille, on se réveille. L'hiver est arrivé. Ski en place. Prêt pour une descente test. Hop. Bien préparé Noël, c'est un terrain glissant. Mais si pour la neige, c'est pas gagné, pour les cadeaux, on va assurer. Monsieur le Père Noël, c'est un véritable honneur de vous rencontrer. Avec Oku, c'est Noël tous les matins sur France 3. Sur l'appli Oku. Je m'appelle Tinka. Tu es moitié pixie, moitié humaine. Retrouve ton héroïne pour une nouvelle épopée. Le roi est mort. Puisqu'aucun successeur n'a été nommé, les Jeux du Roi commencent. Magie, complot, amitié. Les humains peuvent nous aider. Et nous pouvons les aider. Les nouveaux épisodes de Tinka sont sur l'appli Oku. Tout de suite sur France 4. Est-ce que vous diriez qu'il y a du louche dans l'air? Il y a du louche dans l'air. Et il va y avoir de l'aventure surnaturelle. Scooby-Doo et ses associés vont se régaler. Délicieux. Rendez-vous tout de suite sur France 4. Retrouvez Brice Laurent Dubois. Évasion, gastronomie, rencontre, je vous attends dans Outre-mer le mag, tout de suite sur France 3. Inédit, vendredi sur France 3, pour arriver à des... Il a fallu passer par des... Et des... Une piste aux émotions avec les plus grands artistes. Avec Cyril Ferraud. Regardez ce qui vous attend. Retenez votre souffle. Gala du 45e Festival International du Cirque de Monte-Carlo. Vendredi à 21h05 sur France 3 et sur la plateforme France.tv. Votre divertissement avec les magasins Pro. Parce que chez Pro, nous vous accompagnons dans votre quotidien. Pro, électroménager multimédia. Votre divertissement avec Stérimar nez bouché enrichi en cuivre. Stérimar nez bouché débouche le nez jusqu'à 6 heures d'affilée. Inédit, bientôt sur France 3. Nous allons élire pour la première fois le meilleur chant folklorique de France. Une soirée absolument exceptionnelle et inédite. 10 troupes venues de France métropolitaine et des Outre-mer vont donner de la voix pour défendre leur région. Oubliez tout ce que vous avez imaginé sur les chants folkloriques. Préparez-vous à être bluffé. Cyril Ferraud vous invite au concours du meilleur chant folklorique, bientôt sur France 3. J'habite dans un immeuble. Est-il vrai que je peux faire un compost avec mes voisins? Et plus sûr, reste de repas, marre de café ou fleurs fanées, plutôt que de les jeter dans votre poubelle, vous pouvez créer, comme les habitants de maisons individuelles, un composteur partagé avec vos voisins au pied de votre immeuble ou dans votre quartier. Vous pourrez réduire vos déchets, votre impact CO2 et enrichir la terre des pots de fleurs, jardinières sur les balcons ou terrasses de chaque habitant et en faire profiter la copropriété dans les espaces partagés. Composter entre particuliers est autorisé sous réserve de l'accord des copropriétaires et du propriétaire du terrain. Sous réserve également d'adopter les bonnes pratiques et que les conditions matérielles soient remplies. Avoir un espace vert suffisant pour installer les bacs et utiliser le compost, s'assurer d'avoir de la matière sèche comme des feuilles mortes ou des arbustes broyés tout au long de l'année. Enfin, qu'au moins une personne volontaire soit formée pendant une journée et devienne le référent de site. Pour lancer le projet, le bailleur ou le syndic de copropriété doit faire une demande d'accompagnement auprès de la communauté d'agglomération ou de la mairie. Le formulaire est en général disponible sur leur site. Les collectivités mettront à votre disposition gratuitement du matériel dont les 3 bacs nécessaires et un accompagnement professionnel de 6 à 12 mois pour vous assurer que tout se passe dans les règles de l'art et le cadre réglementaire. Elles formeront le référent qui supervisera le site et renseignera ses voisins sur leur rôle. Déposer leurs biodéchets dans le bac d'apport, les étaler avec une griffe et les recouvrir de matière sèche. Le référent devra s'assurer que ce bac est brassé une fois par semaine. 2 à 3 fois par an, ce contenu sera transféré vers le bac de maturation et le compost à distribuer aux habitants. 1 à 2 fois par an, le référent verra l'approvisionnement du bac de matière sèche en s'appuyant par exemple sur l'entreprise d'entretien des espaces verts de la copropriété. Voilà, vous savez tout, ou presque tout. À très bientôt pour un nouveau Consomag et retrouvez toutes les informations sur inc-conso.fr.
midi, ce soir sur France 3. Retrouver quelqu'un, c'est une fête. J'aime que les hommes se réunissent. J'aime la fête. De Roubaix à Paris, d'Amsterdam à Bruxelles, ils sont tous venus célébrer Jacques Brel. Je vois à la télé un mec qui sue en noir et blanc. C'était saisissant. Tous là pour chanter celui qui les a tant impressionnés. Et je t'aperçois, c'est ça que t'aperçois. Ne me quitte pas. Je l'aimais en tant qu'ami parce qu'il n'avait qu'une seule parole. Un festival d'émotions et de souvenirs. Moi, j'ai envie qu'on m'aime bien, puis j'ai envie de bien les aimer. Une journée avec Jacques Brel, un hommage en chantant, ce soir à 21h10 sur France 3 et déjà sur la plateforme France.tv. Bonjour et bienvenue dans Outre-mer le mag. Nous avons sélectionné